Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je vous présente une vidéo pour faire un squat tout en faisant attention au périnée. Donc, il faut faire une contraction globale du périnée et se mettre en posture de fausse inspiration. Pour se mettre en posture de fausse inspiration, vous allez remonter le nombril vers les omoplates. Alors, ça se présente comme ça. Je referme le périnée, je contracte sur l'expiration. Je remonte mon nombril entre mes omoplates, je garde mon dos droit et je fléchis pour faire le squat. Tout en gardant bien mon ventre rentré. Alors l'erreur à éviter, c'est de rentrer simplement le nombril vers la colonne vertébrale comme ceci. Quand vous faites ça, vous poussez sur votre périnée. C'est vraiment ce qu'il faut éviter. Donc on remonte bien le nombril vers le haut, hein, comme si on voulait le mettre sous les côtes ou en tous les cas derrière au niveau des omoplates. Et donc quand on fait ce mouvement correctement du nombril qui remonte, on sent les épaules qui se soulèvent. Et donc on est dans la bonne posture et on fléchit. D'accord ? Donc le mouvement doit se faire sur l'expiration. Périnée expire. Je reprends dans la poitrine. Périnée, expire. Périnée, expire. Etc., etc. Bon squat à vous.